Mesdames, la famille, la société, tous les amis, frères, accès, compatriotes, tout un collaborateur qui est connecté dans tout partout dans le monde, bonjour, bonsoir pour nous tous. Dans mes croix, c'est toujours serviteur, nous amis, nous merci Dieu. C'est avec même plaisir, même l'amour, même détermination, même respect, nous tous gagnons pour l'autre, toute équipe là à la ronde badet, nous comptons rentrer la caillou. Nous remercions pour support, pour collaboration. Merci au fait choix de nous pour capable informer ou merci pour fidélité ou avec patience ou. Et si c'est pour la première fois ou tomber sous channel ça, m'a souhaité au bienvenue et sous remettre avec qu'a fait là, pas hésiter à abonner, activer cloche à notification pour capable toujours être informé. Jeudi à ce vendredi, n'a vive vendredi 17 mars. Ce week-end, n'a souhaité bon vendredi, bon week-end à toute fanatique nous yo. Toute équipe là, nous comptons rentrer la caillou, nous pourrons partager avec toute nouvelle qui a bouleversé la ville, le pays d'Haïti. Nous portons pour le journal créole Méga Matin. Jean nous tous, nous connaissons Méga, c'est le plus gros réseau radio haïtien qui est sous la Tébéni, avec un staff nouvelle là, information yo sous pays d'Haïti. 5h du matin, démarrez journée avec Méga Matin. Vous connaissez tout ce qui va passer dans la province, dans toute votre prise, dans la diaspora, à tout l'autre côté sous la terre. Méga Matin, journal créole Radio Méga, côté vérité son priorité. Méga Matin, 5h, 7h du matin, nous baillons plus d'informations de tout l'autre côté. Studio Pétionville. Nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride là, dans États-Unis. Dernier sorti journal Méga Matin, c'est Kounia sur antenne Radio Méga. Jeudi, c'est vendredi 17 mars 2023. Bonjour, bonsoir tout le monde. Content mon caboté ba notre tranche information si là sur antenne puis gros réseau Radio Haïtien en mode là. Bonjour, bonsoir avec différents collaborateurs dans les États-Unis qui a fait travail technique précisément dans Miami qui a permis nous donner des journal sur 17:00 AM non. Ici en Haïti, c'est Marcel Joseph. Ça m'a oublié Jean-Philippe Massin qui toujours écrit à qui a coordonné journal si là. Bonjour, bonsoir Jean-Willer Sévère. Bon vendredi et déjà bon week-end, messieurs. Bonjour Blaise Peterson, bonjour Marcel Joseph, bonjour, bonsoir tout le monde. Ça peut être quelques points qui vont développer dans le journal là pour mater vendredi ici là. Haïti pas besoin d'une intervention étrangère selon le premier ministre canadien Justin Trudeau. Une intervention militaire pas privée stabiliser le pays d'après ça expliqué. C'est confirmé les gars à moi très pipillé à plage privée Waoube Beach qui trouvait carrière sans la commune à Cayer dans la nuit de mercredi 15 mars 2023. Dégage un pile selon constat, mais responsable plage a refusé commenter Zach malhonnête si là. Ministère touriste condamné Zach à pillage cap fait sous hôtel sous côte des Acadéens. Gouvernement travaille pour mettre l'ordre et puis faciliter relèvement économique zone ça d'après une autre limité d'ailleurs. Direction générale archive nationale exige libération et employé un bandit kidnappé mercredi passé à ses deuxième emploi institution ça qui déjà civique Zach kidnappé. Qu'on a-t-elle rappelé compagnie téléphonie mobile yo, obligation gagnée pour un enregistrer tout le SIM dans mes compagnies SAIO à travers Messissa qu'on a-t-elle voulu renforcer sécurité communication téléphonique là en Haïti. Par rapport à la crise de sécurité, le ministère d'éducation nationale, la formation professionnelle a cherché à élever l'école et si pour psychologique dans sens ça, ministère a signé un protocole d'entente avec l'association haïtienne psychologie hier jeudi. Réseau national Cap défend droit Mounio lancé en mise en garde contre tentative pour libérer plusieurs trafiquants d'armes à balles qui en bas. Mais la justice, depuis mois avril 2022 passé, hein, la justice a cherché à retirer infraction trafic zamenant pour vous aimer c'est ça dans le tribunal correctionnel. Le rechute à parler prévoit fait journée jeudi entre HCT et différenciate à quoi 21 décembre. Application à quoi s'il a nommé une discussion selon information. Vision haïtienne qui a défendu droit mouvement des ministères justice et sécurité publique. Enquêté sur le comportement commissaire gouvernement yo, qui refusait faire suivi avec un rapport corruption ULCC metté dehors. Romulus Jules Lacroix, MJSP, Droué Founi, Gégadé, si commissaire gouvernement Sayo Pan Zamitaï,
à côté ça yo. Point ça yo à divers autres après le fait essentiel. Dernier sorti journal Méga Matin sur antenne Radio Méga pour matin vendredi 17 mars 2023. Mais pas oublier ça, l'ouvrir journal avec rubrique traversée. Pour qu'on connaisse que nous avons traversé dans la région métropolitaine Port-au-Prince pour matin. Avec Abdias Aïssi, nous avons informations sur le prix produit dans le marché dans la région métropolitaine ou bien dans quelques villes provinces. Nous prenons le premier coup de la besoin pour $1 américain, euro, $1 canadien, peso. N'a pas tout dans le fin journal là, comment ça y est dans les affaires météorologiques journée avec un collaborateur Jean-Wilner Sévère et pas oublier la rubrique capsule santé. Restez là, pas tout mentir bouton radio ou sous Radio Méga qui c'est plus gros réseau radio haïtien dans le monde là. Vous pouvez suivre journal créole pays à journal Méga Matin. Dans journal Méga Matin, c'est nouvelle Lombay. N'a pas retourné dans quelques secondes. Sous et note ça, archive nationale mettez dehors pour dénoncer Zach kidnapping qui fait sous l'autre employé puisque t'es un premier employé qui t'est kidnappé déjà et ça qui t'est paralysé toute activité qui t'est gagné dans l'institution dans Delma, mais gon l'autre employé qui kidnappé et yon autre institution sorti pour capable de dénoncer Zach kidnapping. Si la direction générale archive nationale d'Haïti a dénoncé enlèvement yon l'autre emploi institution Anza Mérisma mercredi en toujours victime d'un technicien état civil selon une note qui publie ailleurs jeudi direction générale archives nationales dénoncé enlèvement l'autre employé institution victime d'un technicien l'état civil selon note qui publie Zaka Babassa a prévu collègue employé qui était déjà traumatisé et puis a provoqué souffrance proche famille et technicien DG institution réclamé libération sans délai avec direction générale la réclamé libération sans délai avec sans condition otage à l'autre employé institution était déjà kidnappé dans croix des bouquets une situation yon zakiti a provoqué vive protestation dans niveau institution. Effectivement, là, j'en ai dit, on va venir avec l'autre information concernant cette criminalité. On regarde comment ça est entré dans le capital paysan avec Claude Naïde Antoine. Claude, bonjour, comment ça est? Dans différentes zones, différentes localités yo, que nous avons traversé pour matin. J'ai annoncé le dernier sévère, gagné un chiffre national à travers notre métier de yo qui condamné le kidnapping qui fait sur un cadre dans boîte ça sous toujours avant-hier pendant que lui-même l'a entré sur la Cali. Et c'est pas premier employé dans moins passé 2 à 3 semaines. Ça fait deuxième employé à chiffre national qui victime de kidnapping. Oui, à titre de rappel, Blaise Gay, direction générale à national d'Haïti qui dénonce enlèvement yon l'autre emploi institution Anza Mérisma qui fait un mercredi 15 mars à Nantes-Urgeau victime nation technicien l'état civil selon notre institution publiée ailleurs jeudi Zach Babassa bral réveillé collègue employé déjà traumatisé puis provoqué souffrance bon côté proche avec famille technicien direction générale institution réclamé libération sans délai avec sans condition otage là yon l'autre employé institution était déjà kidnappé dans croix des bouquets yon kidnapping qui était provoqué au vif protestation au niveau institution. Effectivement, on a dit que mais ça kidnapping ça qui fait sur l'autre employé ça dans archive nationale les déjà paralysé en son activité en dedans archive nationale là que constat divers journalistes n'avancé avec Zaka criminalité yola et bien apprendre que dans jeudi qui était jeudi 16 mars 2023 il y a deux présumés bandits qui tombé là n'ont échangé écoute balle avec la police nationale dans niveau département centre pays d'Haïti dans commune Sodo que Nexayo qui tombé là n'ont échangé coup de tir balle avec la police nationale d'Haïti dans localité qui est Nandal c'est où qui menait nan pour aller dans la chapelle d'après information yo individu armé ça a été gain sur un fusil automatique calibre 12 qui fait avec artisanal capable d'armes créoles que négocier dans main yo Nexayo
grand plaisir même dans rançonner moun qui a voyagé dans espace dans route ça yo mais population dans zone qui te gain information que nek sa pas bon moun c'est mauvaise affaire oui yo t'ai allé la police nationale d'Haïti mais nek sa n'a fait plaisir braquage la police même te gain information la police qui débarqué et n'a changé coup de balle avec bandi yo nek sa yo rivé tombé d'après éléments information yo plusieurs membres population dans grande saline département la Tibonite tué hier jeudi 16 mars un individu qui est présenté comme un membre gang Savien identité il pas révélé il recevoir plusieurs projectiles dans tête selon plusieurs sources locales non avancé à côté d'insécurité physique insécurité frontière alors outil pardon pour dire bien côté d'apprendre à l'aise Lubin mais petit garçon ça adolescent ça capable dit qu'il y a 3 l'année qui mourit mercredi 15 mars là non accident machine qui fait une localité qui est les Sételène qui trouvait dans commune Jacques mais département sud-est d'Haïti était environ midi comme ça les machines ça t'apprale en disant qu'il faut petit monde ça qu'il est allié à Lubin et il t'apprale petit la ville la poula malgré diligence qui était faite aller l'hôpital ensemble avec lui l'hôpital Saint-Michel Jacques Mellan malheureusement lui pas gagné la vie sauve d'après éléments information yo non et nous à continuer avec information nous parle avec ministre Nismi Maniga dans le cadre d'une signature et protocole accord qui s'y entre ministère et puis et plusieurs responsables associations haïtiennes psychologie ministère éducation nationale et formation professionnelle si un protocole d'accord avec association haïtienne psychologie protocole d'accord ça visé par assistance actimoun yo professionnel éducation yo dans ça qui gain pour psychologie dans l'école pour permettre timoun yo gain assez bagage pour capable apprendre plus bien et d'après ministre éducation Nismi Maniga qui a bien plus d'état dans le micro Alex Gauthier. Ministère de l'Éducation nationale, la formation professionnelle constate deux bagages dans ce qui a passé dans le pays. Non seulement si nous avons raté en plus de l'école, là nous faisons calcul là, nous avons dans 4 dernières années, si nous avons perdu presque une année l'école. La majorité a perdu 300 jours l'école dans l'année 2019 pays. La majorité a perdu 70 jours période COVID-19. L'année passée, troubles politiques, ils ont perdu 60 jours. Ça fait 190 jours l'école, c'est pratiquement une année l'école que génération s'est perdue dans 4 dernières années. Rattrapage l'école peut-être qu'à paraître facile parce que c'est le jour qu'on a cherché dans le calendrier. Même qu'il est très difficile pour nous rattraper une année l'école. Mais ça nous pas qu'à rattraper si nous pas prendre ça bonheur et si nous pas chercher professionnels qui caillent des ministères de l'éducation nationale et des directions santé scolaire ministère de l'éducation nationale et l'autre structure dans le ministère de Koukazas qui occupait le Ksagin pour avec inclusion, eh bien, nous pas capables d'aborder catastrophe invisible qu'a fait, parce que c'est pas seulement on est l'école si nous nous perdu. C'est traumatisme si nous nous vivons. C'est traumatisme parents à vivre. C'est traumatisme professeur l'école à vivre. Et c'est tout ça qui dérangeait cerveau, tout le monde qui travaille dans affaires l'école. Ça qui pourrait avec santé mentale, tout professionnel qui travaille dans l'école, santé mentale, élève yot. Dégâts qu'a fait dans cerveau, si nous nous difficulté enseignant rien par rapport à toute scène de violence qu'il a gardé. Par rapport au fait que quand pile phénomène, que ce soit dans la caillou, que ce soit dans la rue, que ce soit dans l'école là même, eh bien, il faut qu'un professionnel permette que le ministère comprenne bien, tende et réagit. Direction santé scolaire ministère, avec tout bureau Casas, a fait effort pour qu'il soit capable de renforcer la capacité. Je dis, hein, direction santé scolaire, puis son direction bien-être scolaire, ni pour professeurs, ni pour élèves. Côté non seulement aspect médical en partie, l'autre aspect côté que la renforcer présence en dedans, les mobiliser plus psychologues qui déjà dans le ministère pour recruter jeunes diplômés dans différentes facultés pour capable aider le fait travail ça dans différentes écoles, mettez sous pied une coordination qui est occupée à faire tant les petits mounions dans le sport, dans le loisir, dans la culture pour capable aider dans les affaires santé mentale là. Mais ça ne suffit. Et c'est pour ça qu'on cherche des professionnels, association haïtienne de psychologie, qui ont même tout pour mobiliser plusieurs professionnels la CAIO, plus notre réseau professionnel pour qu'ils soient capables d'appuyer intervention et réponse ministère en Vlebaï dans tous les 10 départements côté gagner besoin pour ça. Il y a 3 bagages qui peuvent le faire dans le protocole ça. Et nous allons quitter le président association expliquer Piclet. Mais ça, ministère attend, plateforme écoute que gagner, ou qu'on plateforme téléphone côté professeur qui gagne problème, élève qui a des problèmes, capable de briller. Nous allons élargir la plateforme ça pour l'accessible à pratiquement toute l'école dans le pays qui a besoin de réponse dans ce sens.
Président association haïtienne psychologie Soubopal fait qu'on est dans quatre protocoles accords à viser rend accessible question psychologie dans toute l'école yo fait formation pour responsable école yo pour yo capable accompagner puis bien Simonio Messier et Pascal Néry Jean-Charles lui-même qui croit que je dis à travailler ça c'est une très très bonne idée, c'est une très bonne initiative. On écoute le plus de détails. Mais je vous dis en passé que c'est une belle opportunité liée pour que psychologues aient plus de place dans la société. Hein. Et nous-mêmes, nous prenons en collaboration ça en fait et association en ligne qui c'est 29 19 90 00, côté que avec support ça nous parlons capable de rendre ligne ça plus accessible à écoliers, professeurs et parents, parce que santé mentale timonio professeur yo yo vraiment affecté journée jodi là et il y a une situation de détresse et yo t'a besoin des parfois pour yo jeune premier support psychologique que nous-mêmes nous gain infrastructure pour capable faciliter support ça qui va permettre d'améliorer le processus d'apprentissage et qui va permettre que si nous nous sentons plus bien, plus capable d'apprendre et par un retour capable de connaître quelle stratégie capable de faire pour aider si nous avons une situation de stressant. Et professeur, toujours aujourd'hui, tout le monde passe santé mentale très affectée par rapport à sa vie dans le pays de manière quotidienne. Donc, là, quand le partenaire en ça, c'est premier bail, c'est vraiment rendre et service accessible à toute communauté éducative, tout côté dans le pays, pour que aussitôt que senti une situation de détresse, yo gen en pile et la tout braille dans l'esprit, yo pas senti yo bien que yo capable reler numéro ça et côté que y a jeune premier support psychologique. L'autre bail là, li rentre dans cadre toujours pour encadrer et professeur l'école ça directeur l'école ça dans cadre de formation pour que yo capable vraiment outiller, yo connaît qui gens et yo capable accompagner timoun yo dans moment de stress, dans moment difficile que n'a vivra et pour nous même tout, n'a fait des activités pour eux même tout yo comprendre ça stress là qui j'en sais. Et mis à part ça, troisième volet, hein, c'est un programme de formation qui t'a continue, côté que et chaque début d'année, tu as toujours gagné des formations qui fait dans le domaine et psychologie de l'enfant, psychologie éducative, etc. Donc, quatre partenariats, ça sont quatre partenariats de service public d'accompagnement psychologie à la communauté éducative, côté que c'est vraiment et rentrer dans l'école, yo, faire mon yo comprendre l'importance santé mentale de manière générale dans l'école, yo, que ce soit timonio, que ce soit professeur, que ce soit parent, yo, et aider autour par rapport à la situation que nous avons aujourd'hui dans plusieurs écoles, aider les gens, aider les parents, tout pour être capable de travailler traumatisme. Parce que, Jean-Ministre, c'est-à-dire, nous ratons pile jour l'école, mais depuis 2011 à nos jours, dans pile situation dans le pays, hein, qui sont des situations traumatisantes, que vous prenez un tremblement de terre, que vous prenez des cyclones, qui liés à des désastres naturels, que vous prenez sécurité et autres, tout ça a des impacts sur les gens au niveau du traumatisme. On a toujours été sous question éducation, réaction toujours concernant et décision. Autorité dans le ministère de l'Éducation nationale avec le ministère juste pour capable de mettre backup police dans le périmètre. L'école de Ino qui a célébré 32e anniversaire dans le contexte de sécurité généralisée, côté personne, pas même pas épané, même enseignant. Mais José Mélin qui a profité de réagir sous décision, ça a qualifié démagogie, décision. Ministre Maniga pour mettre backup à la police devant certaines écoles. Les anciens appellent la population pour lever capé pour chavir régime en place pour payer incapable d'aller en souffle d'après syndicaliste là qui était nommé Josué et Josué Belamour. Vous mettez vos chapeaux, par élève de lycée Pétion, lycée Firmé, dans l'autre lycée encore, qui vous s'élever campé. Parce que, y'a qui n'a pas vos soeurs, qui vous a qui prend balle, qui sort dans l'hôpital. D'après un, dans lycée Firmé, qui vous a adonné, qui sont cadres de finances, c'est un élève, oui, et qui dit vos soeurs, non, lycée Firmé, qui l'a fait dimanche. Il y a un professeur, Jasmin Sorel, qui prend balle, dans l'école, lui, sous vos plans, qui s'est besoin, il balle la voix sorti, et il a fait des marches pour vous a Sorel, à prendre soin, à l'extérieur. Et il a fait des marches pour rapidement il y a le passeport et que le ministère prend le soin d'elle. C'est une salle de classe. Il prend balle là. Nous avons célébré 32 ans Inoa. Nous avons dossier de insécurité généralisée côté l'école qui a fonctionné. Et nous voyons que les super les gars avec l'équipe Li, pour le mental qui est là, qui sont incompétents, décrié au lieu. Ils ont posé problème qui fait l'école bloquée, ils ont fait ma démagogie cosmétique, côté, les mecs qui ont gagné l'école, ils ont des trois policiers. Qu'est-ce qu'on a posé de nous? Est-ce que c'est peut-être deux trois policiers, les mecs qui ont gagné l'école, qui ont gagné l'école et surtout,
cadre du gouvernement. Est-ce que Nadi, et élève Sidao, Nadi, professeur Sidao, qui est beaucoup subi sécurité de l'école là, est-ce que devant chaque professeur, chaque élève, chaque enseignant, et des semaines qui ont passé policier, parce que c'est sécurité assurée, parce que c'est assurée sécurité là, caillou, dans la rue et l'école là. Nous pensons que la réalité, c'est démagogie et que c'est l'équipe gouvernementale honnête, responsable, qui veut prendre un pays pour résoudre la sécurité, ça va l'école correctement. Et Nadi, ce qu'a fait là, c'est démagogie pure et simple qui va produire quelle solution. Et question qui nous poser, est-ce que le gouvernement sacré est là, car les problèmes de sécurité, parce que la sécurité, c'est de base, ça, pour le faire une peur, et pour qu'il y ait pouvoir. Donc, parce que je veux dire, mais occasion de ces manifestations, de tout le monde, à des pays, c'est dans le même lieu. La désignation, c'est dans le même lieu, c'est dans la mobilisation que le cas assuré. Gangio, nous puissions ces gangio. Il faut que le peuple a levé dans tout le pays pour garantir que toute gang après rat. Pas côté sous le gouvernement, pas côté sous l'ONU, pas côté sous l'Américain, ni les Canadiens, mais sous peut-être pas nous, parce que tout le monde sait. La complicité, chaos, pour construire là, et aussi qui a préparé là, tout le complice tableau. Pour ça, nous demandons tout professeur, tout parent, tout élève, tout acteur de système d'éducation, de récupérer pour nous sortir de là, pour construire l'école, pour construire haïtien que nous mesurons pour faire payer avancer, puis innovant. Déclaration Josué Mérilien, plateforme haïtienne qui a défendu droit à Mounio critiquer l'autorité dans l'État et dit qu'il n'y a aucune volonté pour mater phénomène insécurité. Coordonnateur strictissa Jackson Pierre Noël mandé et pour qui ça aucun exemple n'a pas tracé après assassinat. Policier village de Dieu, Métiviac Liancourt, défenseur droit Mounio en croix, pays à Papka arrêté tant pour longtemps dans situation tête chargée la vie jeudi. En côté Jackson Pierre Noël. Si l'autorité a une volonté, en premier lieu, tu as encadré l'institution PNH là. Ok? C'est bail policier au moyen pour le travail et puis payer à temps, mais le ça, tu as commencé à faire nos résultats. Mais au contraire, ouais, n'est-ce pas plus encadré les examens? Comment est-ce plus encadré? Et d'annoncer des policiers qui sont morts dans la village de Dieu, ok? Jusqu'à présent, pas de aucun résultat qui baille. Et bien, c'est chaque qui est plus intéressé, n'est-ce pas, tu prends charge seulement après ça qu'il y a des cadavres policiers en dedans. Si depuis les tu as une réponse qui te baille, eh bien, l'insécurité n'est pas la cause dans le pays, là. Ou qu'elle plus ou moins. OK? Police est tombée encore dans la base Vite l'Homme. Police est tombée dans les coups. Pas bien en un qui dit. Eh bien, ça vient démontrer que l'autorité avec gang, OK? Il y en a bon genre connivence. Et c'est ça qui rend que la situation est plus compliquée chaque jour que bon Dieu mettait. Non seulement ça, l'insécurité alimentaire là, a bas les terrains. Comment la bas les terrains? Les que dollars montent en bas, et puis les gens sont achetés marchandises à Port-au-Prince, soit pour aller Grand Nord avec le Grand Sud, la paye un paquet de base gang qui coûte le passé, mais le ça, les gens n'ont pas qu'à vendre les marchandises à la même prix encore. Ok? Non seulement dollars et le grave voulait, et puis, il faut que les pays gang. Mais le sang qui laisse qu'à payer conséquence, eh bien, c'est consommateur qui a payé, c'est nous-mêmes qui avons acheté, tu vas mettre du riz, tu vas mettre du sucre là. Mais le sang, c'est bandits qui plus a fait la loi dans le pays. C'est ça nous remarquer. Parce que ça faut remarquer. Pour entrer dans le Grand Nord, son véritable problème. Pour entrer dans le Grand Sud, son tête chargée. Bandits à l'aise, à faire recette, à faire ça au vrai. Mais qui répond ce que les gens baillent? Ils vont me dire, ça a démontré à clair, bandits a travaillé pour l'autorité. Si bandits ont travaillé pour l'autorité, et nous pensons que dans la situation peuple est là, je vous dis là. Et bien, tu as pour réponse qui baille. Prisonnier a mouru gangou, tout côté dans le pays, là. Manger pas qu'à joindre, ça, c'est peut-être chargé qui est lié. Continuer avec information, gain chimé délivrance Haïti qui pas caché préoccupation par rapport à la situation pays. 59% l'école fermée à cause d'insécurité, inflation 46%. Il a trié ses bilans 20 mois et qui parie l'arrière sous pouvoir. Quand on a été sectiste à ses discours, il disait critiquer certains acteurs qui ont fait débat sur l'insécurité, un comportement qui retire responsabilité pouvoir pour bailler sécurité. Dirigeant politique l'a rappelé, premier ministre Ariel Henry gain jusqu'à 7 février pour faciliter un président et l'y remplacer. Sinon, mobilisation a démarré dans tout pays pour chasser la toute supporter. Lyon côté Céline Cajet-Élysée, dans le micro Jean-Philippe Massier. Mais c'est plutôt pour nous faire le point sur ensemble situation qui a tracassé le pays d'Haïti depuis quelques temps. Par exemple, avec 59% l'école dans l'aire métropolitaine qui fermait, avec une inflation qui est 49,2% selon IHSI dernièrement là, avec un dollar américain qui jodi a passé à 170 gouttes, avec 79 policiers qui mourent depuis l'établissement du régime ça,
et avec un phénomène migratoire sans pareil qui traversait la société haïtienne depuis il est capable de dire apparition gouvernement. Ça, c'est bilan 20 mois gouvernement Ariel Henry avec tout acolyte bien en tête l'État depuis le pouvoir jusqu'à aujourd'hui qui fait 20 mois depuis en tête. 20 mois qui n'est capable de dire entaché d'un ensemble d'éléments malheureux parmi eux nous connaît ces situations de sécurité que en pile monde dans la société en pile acteur en pile secteur décidé que il a fait analyse alors que sécurité lui relevait premièrement de responsabilité l'État. Ça veut dire qui ça? L'un des secteurs décidé amusé ou que il a fait analyse, fait proposition sous qui j'ai pour résoudre le problème de sécurité hein? Ça veut dire que il a retiré responsabilité gouvernementale pour la sécurité. Mais deuxièmement, n'a pas essayé de garder une relation étroite. Il y a une relation serrée entre criminels, entre irresponsabilité qui est dans l'État. Côté que, M. Damio,